fois par an, on invite les sponsors, les partenaires, les clients du Standard à se rencontrer lors de toute une journée et pour faire un tournoi business meeting, comme on l'appelle. Cette année, il y a 30 équipes, BEZ, VOUS, Promomed, Shins. Il y a deux équipes du Standard aussi, avec des anciens joueurs, Benjamin Niquez, Bisconti, Laouaré. C'est vraiment une ambiance très conviviale, très familiale. Et en plus de ça, comme l'année dernière, on a un château gonflable pour les enfants, il y a le clown, il y a une maquilleuse, donc tout a été pensé pour que chacun s'y sente bien. Les deux, plus le petit jeune de... D'Alfonso. D'Alfonso. Voilà. Alors, il y a Jackie. Et après, on change après. Et Benja, tu joues défensif. Vous êtes le coach de quelle équipe aujourd'hui? Ben, proprement dit, le Standard. Les gars, ils ont voulu gagner aujourd'hui et ils veulent aller jusqu'au bout. Et je ne sais pas les freiner et finalement, c'est bien pour le Standard. Tu t'es trompé dans les chaussures. T'as mis la gauche à droite. Ils reviennent à chaque année avec un grand plaisir parce qu'ils remettent chaque fois la vareuse du Standard et ce sont leurs couleurs à eux. Ils se lancent un peu des vannes, un peu des souvenirs, ils retracent un peu leur carrière chacun. Et alors, ils lancent un peu des petites bouteries comme ça pour dire, voilà, toi, tu n'as jamais joué à cette place-là parce que tu étais mauvais. Et d'autres qui disent, oui, mais tu n'y jouais pas parce que moi, j'y jouais. Et alors, et voilà, et toute la journée, c'est comme ça. Et ils sont redevenus des petits gamins. Et voilà. Edmilson, il y a un bruit qui court que votre fils a plus de qualité que vous. Est-ce que c'est vrai? Plus de qualité, oui, mais à mon âge, je pense qu'il est plus fort que moi. Mais j'espère bien qu'il est plus fort que moi. Mais il n'est pas comme son père. Son père était fort pour marquer des buts. Lui, il réfléchit trop pour marquer des buts. Je m'appelle Gisèle Shins, je suis administrateur déléguée du groupe Peugeot Shins. Je suis plutôt venue pour les soutenir, les encourager, passer une bonne journée. J'ai mon fils qui est dans l'équipe aussi, donc bah, raison de plus. Et pour eux, c'est sympa quand même qu'on soit là pour les supporter. L'année dernière, on a gagné la finale, donc ils sont super contents. Ils veulent refaire la même chose aujourd'hui, ce qu'on espère, ils sont bien partis. On avait mal commencé, donc on perdait 1-0, puis finalement on a su redresser la barre, on revient à 2-1, puis finalement on repère de nouveau 3-2, et on gagne au final, donc c'est très bien comme ça. C'est un réel plaisir, bon voilà, c'est sûr qu'on avait le défi de garder le titre de l'année passée, et donc c'était d'autant plus passionnant cette année, et voilà, c'est un réel plaisir avec tous les copains de pouvoir profiter de ça. On est une bande de copains, on est là pour s'amuser, et c'est ça qui importe aussi avant tout quoi. Deuxième récompense, l'année passée c'était vous aussi, c'est plus du hasard tout ça. On reviendra l'année prochaine, on va essayer de gagner une troisième fois alors.